Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien les amis. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons sur un jeu assez sympathique. Donc je suis désolé, je suis obligé de changer de casque etc. à chaque fois. Et en plus je parlerai donc avec la webcam, donc la qualité ne sera pas forcément la même, il n'y aura pas forcément de grisouillis. Donc c'est pour ça que je préfère le faire pour les Resident Evil, du moins ceux sur console. Donc voilà, nous nous retrouvons donc sur Resident Evil 0. Alors par contre, je vais le faire en facile parce que le jeu je ne le connais pas très très bien. Je l'ai fait une seule fois et encore j'avais galéré comme un malade. Donc je préfère mettre les points sur l'i tout de suite. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the mansion incident. Really? Do you think so too? Yeah. Do about it. Hold off for a while. I wonder how those RNT people would react to this. As a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure. Emergency landing. Un message d'urgence, je pense qu'il va mal se passer. C'est sûr. Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look. Order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone, let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. A train?
Ça sent pas bon, ça. Donc ça y est, la cinématique qui est assez longue, certes, elle vient de se terminer. La porte est fermée, impossible de faire demi-tour, donc ça c'est courant dans Resident Evil, j'ai envie de dire. Donc c'est le premier de la série, pas le premier qui a été réalisé, mais le premier que nous pouvons assister au niveau de la chronologie. Ce n'est pas forcément mon favori, il est très bien. J'en suis pas déçu de ce Resident Evil là, pour l'avoir fait. Mais il y a beaucoup de cinématiques longues. This is Officer Chambers from Star's Bravo team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced that it has been asked to have our summer. But as of 2 years ago, when a similar plant was set up, the local government stepped in and took over. Et voilà. Donc on va pas s'occuper forcément des zombies, on va essayer de limiter. Voilà, j'ai gâché une balle déjà. Ça arrive. Bon, par contre dans celui-ci, je vous le dis, je vais jouer save. Hein. Je vais pas m'amuser. Celui-ci est très bien, donc chronologiquement c'est le premier, mais ils n'ont pas fait correctement le jeu, parce qu'avant, bon, ils ont fait Resident Evil 1 sur PlayStation à l'époque, et là on se retrouve quand même sur de la Nintendo GameCube. Ils ont dû attendre environ, si je dis pas de bêtises, à peu près 5 ans pour pouvoir faire un autre Resident Evil, et qui s'accrochent justement devant Resident Evil. Donc c'est un peu comme la plupart de certains jeux, ils font un truc, puis après ça fait une sorte de prologue, vous voyez, donc juste un épisode prologue juste devant. C'est un peu bête sur le coup, mais bon, c'est le commencement, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc ici, c'est un point de sauvegarde, on entend la musique, hein. C'est assez courant chez Resident Evil, dès qu'il y a la musique, normalement c'est à peu près save, je me dis à peu près parce que des fois c'est pas vraiment le cas. Ok, donc là déjà on a beaucoup de soins. La particularité aussi de ce Resident Evil, c'est que quand vous avez trop d'objets, vous pouvez les jeter. Il n'y a pas, donc si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas de, bah de grosses, des gros coffres. Donc c'est un peu dommage, mais bon, il faut des fois faire très attention et être judicieux dans ses choix. Full of zombies and monsters. Zombies and monsters. Voilà la preuve. Par contre, j'ai envie de les tuer parce qu'ils sont assez chiants. Les toutous. Hop.
Comme dans tous les Resident Evil, vous pouvez associer, enfin, à peu près tous, voire même tous, hein, je pense. Sauf Resident Evil 4, on peut associer donc les munitions aux armes. Le principe classique de survival. Bon, lui, comme il bouge pas. Maintenant, il bouge les pneus. Ok. C'est bon. Ok. Vous voyez quand même 3 balles pour tuer des zombies alors que dans celui-ci il y en a pas mal, donc c'est assez embêtant. Et surtout là, vous voyez, on est déjà à 10 minutes, on a déjà eu au moins 5 minutes de cinématique dans ce jeu, c'est impressionnant. This is Rebecca. Over. Enrico, hello. Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cohen killed as many as 23 people. Over. 23 people. We've also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Enrico, Captain, hello, hello. Eh oui, malheureusement, ma petite, tu as eu un petit souci avec ta radio, donc voilà, c'est comme ça. Donc là, on va utiliser la clé qu'on avait récupérée, clé du train qu'on n'aura plus de soin, donc on va la jeter. Hein. Les objets inutiles, faut toujours les jeter, faut pas les garder pour faire collection. Moi, bon, c'est ce que je faisais dans Resident Evil 2 et c'est pas bon signe. Enfin, ça, c'était quand même très très longtemps quand même. It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Le Billy, ah là là. Tout de suite à dire que, les femmes ne sont pas assez intelligentes pour pouvoir s'occuper de tout ça, là. Hein? Donc encore une cinématique, super. Excuse me, sir. Sir. Wow. Alors ça sert à rien de l'attaquer, ça je me rappelle. Par contre, je vais juste prendre les munitions qui sont dans le coin là. Hop là. On se casse.
is that guy? What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't... Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right. But you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call, all right? Donc ça y est, ça va commencer le bordel. Pourquoi je dis le bordel? Voilà. Donc il y a un deuxième nouveau joueur que vous pouvez utiliser grâce au stick analogique droit. Donc le stick C, voilà, comme il est écrit. Donc on peut aussi leur donner à notre partenaire soit d'être agressif, soit d'être passif. Donc solo ou coopératif. Donc attaque ou passif. Comme il y a écrit, on peut changer aussi de personnage. Et les échanges de objets. Donc là les attributs c'est qu'elle peut faire donc des soins grâce aux herbes. Et Billy, ben, en gros, lui, est très efficace au combat et peut pousser des gros objets. Donc ça peut être intéressant dans un sens. Par contre, si l'un des personnages ou les deux meurent, game over. Donc faut faire très très attention. Et ça, c'est super chiant. Si votre coéquipier est attaqué dans une autre salle, il demandera à l'aide grâce à la radio. Vous verrez que c'est pour ça qu'en fait, voilà, il est assez compliqué celui-ci comparé au Resident Evil qu'on pouvait avoir à l'époque. Moi, je le trouve assez complexe. Après, c'est pas le plus difficile, hein. Je dis pas ça. Je pense que par contre, j'ai fait une petite connerie. Hein. Ok. Alors, voilà pourquoi Billy, ça va être assez compliqué d'utiliser. Parce que si vous connaissez le stick de la GameCube, c'est assez drôle. Bon, là, on va voir. Donc du coup, le train s'est mis en route. On a vu un autre personnage, d'ailleurs, avec une superbe musique. Hein. Capcom, des fois, font d'énormes efforts au niveau de ça. Et là, on peut apercevoir, donc, ici, tranquillement, qu'on va monter à l'échelle. Mais à votre avis, pourquoi faire? À part ceux qui savent déjà ce qui va se passer dans le jeu, bah, vous le saurez. Mais pas de spoil, s'il vous plaît. Pas de spoil. Puis celui-ci, je m'en rappelle pas très très bien parce que je l'ai filmé qu'une fois. Hein, comme je vous dis, il est assez complexe comparé à Resident Evil. Lui, j'arrive plus à m'y faire à Resident Evil qu'à Resident Evil 0. Donc là, on va essayer de reconnecter ce sacré câble électrique. Code cinématique. Encore une formation de bestiole là. Donc, on dirait que c'était une sorte d'illusion parce qu'elle a rien eu. On n'a pas eu sur elle là. Donc là, il y a une herbe, on va l'utiliser. Herbe verte. La munition. Voilà ce qu'on peut faire avec Rebecca. Ce qu'on ne pourra pas faire avec Billy d'ailleurs. Donc il y a la clé du train. Et encore un soin qu'on va... De toute façon, on va récupérer un max de soins. Parce que celui-ci, c'est vraiment... assez embêtant, on va dire. Donc, on va appeler l'ascenseur. Après, j'essaierai de trouver le point de sauvegarde pour sauvegarder, parce que là, on va pas commencer trop fort avec Resident Evil 0, parce que j'ai pas envie de perdre non plus dans le jeu. Surtout qu'il est assez complexe. Donc, on peut déjà appuyer sur le bouton, ça ne va pas empêcher de choses. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Paf. On change de personnage, on prend Billy, qui va nous être aussi très utile dans le jeu. Donc là, hop. Quand ils sont tout seuls, ça passe encore. Mais voilà, comme vous avez deux personnes, vous avez deux fois plus de chances de mourir. Ah oui, et Billy, c'est vrai, la particularité qu'il a,
Je viens de m'en rappeler, c'est que s'il trouve des bouteilles et de l'essence, lui, il peut faire quelque chose qui est très intéressant. On peut pas prendre la bouteille ici? Bon, bah apparemment non. Donc en fait, il faut des bouteilles de l'essence, vous combinez les deux, ça vous fait des cocktails Molotov. Voilà, c'est pas une sorte de gros spoil, c'est la particularité de Billy. Gros, l'une peut faire des soins, l'autre peut faire des armes. Je vais juste regarder par contre. Ok. Bon déjà, le couteau. Merde. Bon, ça commence bien. Je savais pas qu'il était là, lui. Oh! So good. Un headshot, c'est magnifique. Franchement, c'est parfait. Vous mettez un headshot, vous êtes tranquille, le zombie vous emmerde plus du tout. Là, par contre, il va encore en avoir. C'est sûr, non? On trace. C'est bon, nickel. Très très bien. Donc là, on va retourner de l'autre côté. Je vais en profiter donc pour sauvegarder, les amis. On se retrouvera certainement pour un prochain épisode de Resident Evil. Mais là, on est déjà assez chargé en matière de cinématique, c'est déjà pas mal. Vous inquiétez pas, l'aventure continuera sur ce jeu et en force même. Donc, par contre, une chose que je vais mettre, mon couteau, je vais le mettre ici. Je vais le laisser parce que moi, je m'amuse pas avec le couteau. C'est assez dangereux. Voilà. Alors, je vais sauvegarder. Voilà les amis, je vous dis donc à très bientôt et salut à tous.